sortie du circuit. Morgan. Généralement, c'est un jour nouveau, un bruit nouveau, Renault. Comment ? Généralement, c'est un jour nouveau.
Morgan qui part sur le circuit avec sa Mégane RS. Est parti sur le circuit. Et d'a poussé. Merde.
météo, parce que sans elle, ça n'aurait pas marché aujourd'hui. Donc voilà, pour cette belle journée qui s'est passée dans la bonne humeur, grâce à vous. Et bon ben voilà, je pense qu'on n'a pas fait des groupes, mais je pense que c'est une journée positive. Et bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus. On va remercier aussi la mairie de Pont-à-Mousson, Henri Lemoine, qui est toujours présent pour nous aider quand on cherche des barrières, nous mettre à disposition la place du Roc. Voilà, donc je vous propose de boire un petit coup pour vous remercier. Et je vais passer la parole à Cécile Céline de l'association Symphonie, qui sera le principal bénéficiaire des bénéfices de notre journée. Donc bonsoir à tous. Ça dépend des événements. Des fois j'improvise, d'autres fois j'écris une petite bafouille. Donc là j'ai écrit une petite bafouille, c'est écrit gros, hein, vous inquiétez pas, on sera rapide. Mais je voulais surtout ne rien oublier pour cette belle journée. Donc en deux mots, pour vous expliquer, Symphonie est née en 2001 de la volonté de femmes touchées par un cancer et pour lesquelles il existait peu d'activités à l'époque, ni de lieux de rencontre pendant leur parcours de soins. Donc la volonté, c'est bien ce qui anime cette association depuis 21 ans et tous les bénévoles qui en font partie ou pour qui l'aventure continue encore aujourd'hui. Donc nous ne sommes que des bénévoles. Ce n'est pas péjoratif ce terme, ce n'est pas un gros mot. Certains donnent quelques heures et d'autres ne savent pas s'arrêter. Dans tous les cas, Symphonie, c'est un grand puzzle de pièces très différentes. Il y a des comptables, des soignants, des retraités, des grands, des petits. Dans tous les cas, ces personnes ont tous au moins un point commun. Ils ont tous à cœur d'aider et d'utilement aider. Aujourd'hui, Symphonie, c'est un conseil collégial de 13 personnes, des nouveaux bénévoles qui nous rejoignent depuis quelques semaines, en l'occurrence 9. C'est beaucoup, 9 bénévoles qui rejoignent une association. C'est plus d'une centaine de partenaires. C'est 47 événements en octobre 2021 à l'occasion d'Octobre Rose. C'est une présence hebdomadaire dans 3 structures hospitalières de Nancy, Gentilly, Majorelle et Lycéelle, pour être au chevet des patients, pour les écouter ou juste pour être là. Symphonie, c'est des rendez-vous sportifs, culturels autour de la santé, des rendez-vous festifs. Ce sont des soirées entre amis, des séjours détente, de l'écoute téléphonique, un local ouvert à tous une fois par semaine pour papoter, échanger, pleurer ou rigoler autour d'un thé ou d'un café. Symphonie, c'est aussi offrir des produits de soins, par exemple pour les cheveux abîmés pendant les soins, parce que tout le monde ne peut pas se les offrir. Symphonie, c'est proposer les services d'une coiffeuse à domicile, par exemple. Et c'est un budget pour que toutes ces activités soient accessibles à tous, parce que le cancer touche tout le monde. Que personne ne soit laissé et laissé au bord de la route, certaines activités sont accessibles gratuitement et d'autres à des tarifs très réduits. Et cela n'est possible qu'avec d'autres personnes motivées à aider, de manière désintéressée, mais juste là pour aider. Le plus difficile n'est pas de trouver de l'argent, mais de rencontrer les bonnes personnes qui, comme nous, passent leur temps à se retrousser les manches en se disant que pourrions-nous faire pour aider encore et encore. Merci. Vous n'imaginez pas combien nous sommes tous fiers d'être appelés pour nous proposer en tant qu'association de faire partie d'un événement comme celui-ci. Merci, c'est bien le seul mot magique qui fonctionne et qui fonctionnera encore dans l'avenir pour les personnes qui nous succéderont. Parce que bien sûr, une chose essentielle à savoir, et nous le savons tous, nous ne sommes toujours que de passage. Alors il y a 20 ans, ou dans 20 ans, l'essentiel c'est nous, c'est que nous continuions, nous, collectivement, Symphonie, à accompagner celles et ceux malades, aujourd'hui et demain, qui ont besoin de nous. Donc merci à Eric et son équipe, vous êtes tous formidables, et nous serons, nous l'espérons, à la hauteur de votre confiance pour utiliser au mieux ce que vous nous offrez aujourd'hui. Merci. 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 Merci.